السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بإنجاز لساكتيفيتي ديفاليسيون باج 92 صفحة 92. هنا دروس التقويم بالنسبة للمستوى السادس خاصة. هنا سنرى لا كونجيغازون pour la leçon du futur et de l'imparfait pour la sixième année. La première activité, le premier exercice, met les verbes entre parenthèses à l'imparfait. La première phrase, le verbe aller, vous alliez soigner ces oiseaux blessés. La phrase B, le verbe trahir, c'est le deuxième groupe. Le chien trahissait, ne trahissait jamais son maître. La phrase C, les monitrices, le verbe apprendre, apprenez, apprendre, c'est comme prendre, à la fin, A-I-E-N-T, les monitrices, c'est pluriel. Les monitrices apprenaient aux enfants les bonnes manières. Vouloir, nous voulions camper dans cette forêt, nous voulions, à la fin, I-O-N-S. Le verbe sortir, troisième groupe, je sortais, à la fin, A-I-S. La deuxième activité met les verbes entre parenthèses au futur simple. Bientôt l'école, le verbe organiser. Organiser, c'est le premier groupe. Alors le premier groupe, c'est simple. On ajoute seulement la terminaison de futur. D'al-minsibel le futur, fa huwa sahel jiddan. Premier groupe et le deuxième groupe. Kanzidou faqat avec la terminaison R et la terminaison du futur. L'école organisera. Bientôt, l'école organisera une journée sur la protection de la planète. Quelle classe réussira? Deuxième groupe. Quelle classe singulier, réussira? R.A. Son panneau sur l'environnement. La phrase C. Le projet de nettoyage des plages, le verbe être, sera intéressant. Le verbe être au futur, je serai, tu seras, il sera. Alors, le projet ici, c'est singulier. Alors, on va mettre sera. Le projet de nettoyage des plages sera intéressant. R.A. La phrase D. Vous, le verbe avoir, vous aurez beaucoup d'efforts à fournir. Vous aurez beaucoup d'efforts à fournir. Le verbe avoir. Au futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, ainsi de suite. Maintenant, l'activité numéro 3. Mets les verbes entre parenthèses au futur. Vous, le verbe travailler, premier groupe, comme on a dit, c'est simple. Vous travaillerez, R-E-Z à la fin. Vous travaillerez tout le temps. Offrir, troisième groupe. Il offrira beaucoup de cadeaux. R.A. Il, troisième personne du singulier. Choisir, deuxième groupe. Elle, troisième personne du pluriel. Ils choisiront, R.O.N.T, la meilleure méthode. Nous, le verbe avoir. Nous aurons tout le temps. Nous aurons, R.O.N.S, tout le temps. فوالا بالنسبة لكل تمرين ستجدون الأجوبة مكتوبة. دائما يجب التدرب على مثل هذه الأمثلة استعدادا للامتحان. Pour l'activité numéro 4. On a ici écrit une phrase à l'imparfait. Activité 4, écrit une phrase à l'imparfait. Tu choisis le verbe de ton choix. Et dans cette activité, je me la on a. On s'est tartar le fait. On a dit tu read. Et tu le conjugues
à l'imparfait. Et la deuxième, une phrase au futur avec un verbe de ton choix. La même chose, une phrase à l'imparfait et la deuxième, une phrase au futur simple. سأقدم لكم أمثلة هنا. لاحظوا جيدا ستجدونها مكتوبة في آخر هذا التمرين. لاحظوا هنا voilà la première phrase. Les hommes voyageaient à pied jadis. Je faisais du sport avec mon cousin autrefois. Il lisait des histoires. Les phrases du futur. Le mois prochain, j'irai à Agadir. Demain, nous visiterons nos grands-parents. Elle pourra réussir. كنتمنى تستفدوا من الأمثلة تدربوا عليها دائما ندعوكم للاشتراك في القناة وإلى اللقاء